La plupart d'entre vous, j'imagine, frères et sœurs, vous connaissez ces textes que nous venons d'entendre. C'est dangereux quand on croit qu'on connaît la parole de Dieu. Parce que ces textes que nous venons d'entendre, ce ne sont pas des textes ordinaires. Ils viennent de loin. Pas seulement loin dans le temps. Et c'est vrai que la première lecture nous parle de David. Ça remonte à peu près 3 millénaires en arrière. Ces textes viennent de loin parce qu'ils plongent leurs racines en Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle est passée par bien des intermédiaires humains avant de parvenir jusqu'à nous, mais elle vient de Dieu. Et elle a le pouvoir de nous dévoiler l'invisible, c'est-à-dire ce qu'il y a d'essentiel dans nos vies. Elle est, comme dit saint Paul, vous l'avez entendu dans la deuxième lecture, elle est révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence. Révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence. C'est dans le silence, dans l'intériorité, que l'on rejoint l'essentiel de nos vies. N'avez-vous pas remarqué qu'il y a tout un monde en nous, que chacune de nos vies porte en elle un mystère qui échappe à tout ce qu'on peut voir, à tout ce qu'on peut entendre, à tout ce qu'on peut apprendre ou connaître par nous-mêmes, un mystère qui se révèle dans le silence. Ces textes donc nous parlent de David, du roi David. Il voulait construire un temple pour le Seigneur. Vous savez, il y avait dans le peuple juif, il y avait l'arche, qui était la présence de Dieu au milieu du peuple et qui était sous une tente. Alors David s'est dit quand même, ça ne va pas, moi j'habite un palais, il faudrait construire un palais pour l'arche du Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, ce n'est pas toi qui me construiras une maison, ça viendra plus tard. C'est un de tes successeurs qui bâtira le temple et sa royauté subsistera toujours. Et effectivement, Salomon, le fils de David, a construit le temple de Jérusalem et il fut un grand roi. Mais la royauté va disparaître en Israël. Et environ 1000 ans plus tard, Jésus déclare « Les jours viendront où le temple sera détruit. » Voyez, frères et sœurs, ce que nous bâtissons pour le Seigneur n'a pas une garantie d'éternité. Les premiers chrétiens ici à Lyon ont construit des églises dont il ne reste plus grand-chose. Et même la cathédrale Notre-Dame de Paris a failli être détruite. Alors de quel temple et de quel roi le Seigneur parlait-il à David? L'ange apporta l'annonce à Marie. Et l'ange annonce à cette jeune fille d'Israël, « Tu vas concevoir et enfanter un fils. Son règne n'aura pas de fin. » Ça y est, le voilà, le véritable temple, la demeure de Dieu parmi les hommes, c'est Marie. Elle a porté celui qui porte tout. Et voilà le véritable roi, celui dont la royauté est éternelle, c'est Jésus. Dieu fait homme. Mystère insondable, mystère de Noël que nous célébrerons dans quelques jours. Une femme qui n'est pas une déesse a donné naissance à un enfant qui est Dieu. Comment cela a-t-il été possible ? Cela a été possible parce que Marie a dit oui et parce que l'Esprit Saint est venu sur elle. En quoi cela nous concerne-t-il? Aujourd'hui, la maison où Dieu veut faire sa demeure, c'est toi, c'est moi, c'est l'Église. Dieu veut demeurer en nous. Il y a 2000 ans, Dieu s'est invité en Marie
Elle a dit oui et elle fut enceinte de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, Dieu s'invite en nous et si nous disons oui, il donne une fécondité spirituelle à nos vies. C'est pourquoi Marie est le modèle du disciple. Vous voyez, frères et sœurs, aujourd'hui je suis installé ici comme archevêque de Lyon, successeur des apôtres, à la suite de Pierre. C'est ce que l'on appelle la dimension pétrinienne de l'Église, dimension hiérarchique. Mais avant d'être pétrinienne, l'Église est mariale. Maintenant, je suis là devant vous, sur le devant de la scène, j'allais dire sous le feu des projecteurs. Mais ce matin, ma journée a commencé comme chacune de mes journées, dans le silence d'un oratoire. Pour que s'accomplisse ce qu'il y a de plus fondamental dans la vie d'un disciple, qui n'est pas de l'ordre du visible, qui n'est pas de l'ordre du faire, mais plutôt du laisser faire. S'ouvrir à la présence de Dieu. Dans le silence, dire oui à Dieu. Accueillir Dieu en soi. Peut-être certains d'entre nous n'ont pas fait l'expérience de la présence de Dieu et se demandent ce que peut signifier accueillir Dieu en soi. À cela, je voudrais dire, n'y a-t-il pas en toi le désir d'un amour en plénitude, le désir d'un amour grand, immense, qui ne s'arrête jamais? N'as-tu pas remarqué que tout ce que nous achetons, ce que nous possédons, n'étanche pas notre soif de bonheur? Que les plaisirs de la terre sont séduisants, mais souvent décevants, quand ils ne sont pas aliénants. N'as-tu pas remarqué que la gloire humaine est éphémère? Il y a en toi un espace que Dieu seul peut combler. N'aie pas peur de te tourner humblement vers lui. Il t'aime d'un amour éternel. Il attend ton oui. La plupart d'entre nous, j'imagine, frères et sœurs, nous sommes croyants, pratiquants, peut-être même très engagés dans l'Église. Nous sommes certainement nombreux ici à nous dépenser pour le Seigneur, à faire beaucoup de choses pour lui et pour l'Église. N'oublions jamais que tout commence dans le silence, dans une passivité amoureuse. N'oublions jamais de nous faire capacité pour accueillir Dieu en nous. Sinon, nos actions risquent bien de n'être que des œuvres humaines, peut-être admirées par les hommes pour un temps, comme une étoile filante, mais sans véritable fécondité spirituelle. Soyons jour après jour des assoiffés du don de Dieu, des pauvres de cœur, des mendiants de la grâce. C'est le Seigneur qui donne à nos vies une fécondité spirituelle, une fécondité qui peut prendre des formes bien différentes au service de la vérité. Nous pensons à saint Irénée, au service des plus pauvres. Nous pouvons penser au père Chevrier, à Pauline Jaricot et tant d'autres. Au service de l'unité des chrétiens comme l'abbé Couturier. Au service de l'évangélisation. Je pense à ce jeune Italien Carlo Acutis, qui a été béatifié récemment. J'ai évoqué là quelques personnes connues qui ont été ou qui seront peut-être élevées à la gloire des autels, comme on dit. Mais n'oublions pas toutes les saintetés cachées et donc aussi les fécondités cachées ou qui se révèlent plus tard quand on est passé. J'aime bien l'image qu'a utilisée le pape François, c'était, je crois, au JMJ de Cracovie, où il demandait aux jeunes « Quelle empreinte ta vie laissera-t-elle ? » L'empreinte, c'est ce qui reste quand on est passé. Quelle empreinte
je vais laisser derrière moi. Parfois, on dit d'une personne, oh, celui-là n'est bon à rien, ou c'est un assisté, c'est un fardeau pour la société. Parfois, des personnes elles-mêmes disent, je suis nul, je ne peux rien faire, ma vie est stérile. Mais avec Dieu, c'est différent. Pour Dieu, aucune vie n'est stérile. Chacun d'entre nous peut porter du fruit, quel que soit son passé, quelles que soient ses limites. Mais tout commence dans le silence, dans l'accueil de notre Dieu qui nous aime et s'invite chez nous. Frères et sœurs, ce Dieu dont je vous parle n'est pas un personnage du passé. Il vient, il est déjà là. Et maintenant il te dit, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Amen.